Buenos dias YouTube, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce brand new Sneakers Geek Color spécial Air Jordan 3. My brother, petite aparté pour vous informer que la Air Max One HTM ID est arrivée. Elle est là, brother. Elle est là, Nike ID. Mais je veux juste attendre un tout petit peu pour la review. Car simplement, la semaine prochaine, je pars aux Pays-Bas. Et je compte bien faire la review là-bas sur place. Je pense que ce serait plus sympa. Ça va changer un peu de décor. Ok, la semaine prochaine, je me débrouillerai pour vous mettre un petit sneaks of the week. Et la review dans 2 semaines. J'espère qu'il fera beau. Donc voilà, c'était juste pour info, brother. Revenons à la Nike Air Jordan 3. You ready? Let's go, brother. On commence tout de suite avec la première, la OJ des OJ. Et ma préférée. La Air Jordan 3 White Cement a vu le jour en 1988, suivie de la Air Jordan 3 Black Cement, enchaînée avec la Fire Red, toujours en 1988, puis la magnifique True Blue. Ok, brother, on voyage dans le temps, vers 1994, pour la première réédition de la Black Cement, suivie de la White Cement, of course, brother. Un nouveau voyage dans le temps, en 2001, pour la troisième réédition de la Black Cement. C'était le 14 juillet 2001, exactement. Le 15 septembre 2001, avec la Mocha, ok, ça s'écrit Mocha, mais ça se prononce Mocha, brother. Le premier coloris original Retro Plus, elle signe aussi l'arrivée du Jumpman sur le Hilltab. On enchaîne avec la True Blue, le 17 novembre 2001, la seconde réédition de la True Blue. On passe en 2003, la 3 White Cement, ajoutée le Fire Red. Cette année-là, c'était le 19 avril 2003. On passe au 24 février 2007 avec la Retro LS Graphite Orange, suivie du 24 mars 2007 avec 3 paires sorties ce jour-là. La Retro Flip White Metallic Silver, la deuxième réédition de la Fire Red et la jolie Retro Woman's. Ok, le 14 avril 2007, la légendaire Retro LS Do The Right Thing. Le 12 mai 2007, la Pure Money. Le 16 juin 2007, la magnifique Black Cat. Le 18 octobre 2008, une quatrième réédition de la Black Cement dans un CDP. CDP pour Countdown Pack. Le 8 septembre 2009, une troisième réédition pour la True Blue. Le 27 mars 2010, on fête le birthday de la 3 avec la Silver Anniversary. Le 4 décembre 2010, une légende est née. Air Jordan 3 Retro DB, DB Polo Pétale, Dorn Becher. Celle-là, je l'écope le 22 juillet 2011. Je l'adore à un point, t'imagines même pas. La quatrième réédition de la White Cement. Ok, brother, le 26 février 2011, une magnifique BHM. BHM pour le Black History Month. Le 4 juin 2011, quatrième réédition de la True Blue. Le 3 septembre 2011, la Steels. Le 25 novembre 2011, la cinquième réédition de la Black Cement. La Air Jordan 3 Retro Flip Black Metallic Silver. C'était le 3 décembre 2011. Alors là, attention, rentrez les enfants dans les caves. La Air Jordan 3 Retro 88 White Cement. Pourquoi Retro 88? Parce que on a le Nike Air sur le Hilltab, family. On est le 6 février et ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu une paire de Tree avec le Nike Air à l'arrière. Tu saisis l'importance de cette release, brother. On enchaîne avec la Joker le 16 février 2013. Malheureusement, même si c'est pas très grave, on retrouve de suite le Jumpman à l'arrière. Celle-là, je l'ai aussi. La très jolie Crimson. Ok, vous l'avez vu sur mon bureau. Sortie le 23 février 2013. Une réédition de la Dorn Becher le 20 juillet 2013. Le 3 août 2013, une troisième réédition de la Fire Red. Ah, ce pack-là, il me rend ouf. Le Fear Pack, avec une 3, une 4 que j'aime passionnément et une très belle 5, dont la Air Jordan 3 Fear, sortie le 24 août 2013. La Powder Blue, le 18 janvier 2014, suivie de la Afrin Red 23, ok, le 8 mars 2014. Le 29 mars, le modèle Lab, spécial Lab, la 5 Lab 3 Element, c'est la Silver. Et 2 mois plus tard, celle que je vous ai présentée dans une review, la magnifique 5 Lab 3 Element Black, le 17 mai 2014. Celle-là, je voulais aussi présenter la Wolf Ray, le 19 juillet 2014. Et la dernière en vue, la Sport Blue, le 16 août 2014. My brother, oh yeah. Et bien sûr, je vous mets quelques modèles rares, tels que les Oregon Pit Crew. Celles-là, elles sont légendaires. Bien sûr, il y a des samples aussi. Aussi des PE pour player exclusive, tels que les Kobe par exemple, qui doivent peut-être sortir dans un pack avec une 8 cette année. Tenez-vous prêts. Car je vous rappelle d'ailleurs que cette semaine, Kobe Bryant, aka Black Mamba, man,
a joué et gagné son dernier match en NBA après 20 saisons. C'est une légende qui a joué avec les légendes. Pas mal de sorties Kobe chez Nike a souligné cette semaine. Revenons à nos moutons, donc des players exclusifs. D'ailleurs, on a pu voir il y a une semaine ou deux Russell Westbrook avec une magnifique paire de 3 Blue Navy. C'est une tuerie celle-là. Si elle sort, je la prends direct. Les Jordan 3 sont une paire de légendes incontestables. Pour finir, je vous mets 2-3 custom. Il doit aussi manquer 2-3 modèles GS que j'ai pas mis. Si vous voulez rajouter des bails, peut-être des choses que j'ai oubliées, je vous invite à les mettre en lien sous les commentaires. Y a pas de problème, ça glisse, ça passe. Voilà mon bro, j'espère que t'as kiffé comme d'habitude. Si c'est le cas, balance-moi un big thumbs up. Et si tu kiffes pour de bon et que tu veux rien louper, abonne-toi, brother. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous serez juste informé de mes prochaines vidéos. A très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother.